moi Bravo TV bosa mystique. Boye bo talane bo lobi singa na secret bimi. Non. En tout cas, bo mérité benda oyo ka ndenge komo na bino ezali kwa. Mobali na botuna ye mwana tikanga na mwana ya de mwa. Mwana koli ya komi moto. Mama na mona tata na ngatala, tata no bravo. Mama na mona tata na ngatala, tata no bravo. Jolika ngale gaga mera mene di monde. Siti na biso ye, Kongo bravo, tebe dele maboko. Bravo ye, Kongo tebe dele maboko. Bravo ye. Chers fidèles de l'émission, Adore Aloha, Adore Aloha Parcours Normal, Adore Aloha Kembo na Kembo, Kembo na Kembo. Toujours dans notre chaîne Congo Bravo TV, Congo Bravo TV Oyo. Maramouzo Lukape Bisikezo Mabiso Toyobite, Nzambe Mokwa Sunga. Donc nous sommes là avec votre humble serviteur, le frère Dilodia Sonné, toujours ensemble, l'émission Adore Aloha, Adoration Louange. L'actualité nous oblige Tolobela Maramou, Tolobela, les réalités sur la musique chrétienne et aussi phénomène miracle. Et combien belé, Tengite Baboso, le Zanini. Et je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Roger Baka, qui va vraiment nous expliquer sur ce thème. Déjà avec mon caméraman le plus chrétien, Charlie Kanga. Nicolo Tobeng, évangéliste, n'est pas autant la Bible, ma casse. Donc, après, nous allons te recevoir, invité Nabisso, il y a Mokolo Alelo. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Vraiment. Nous sommes très heureux à vous retrouver encore bonne santé. Le plaisir est pour moi, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout va bien. Vraiment. Comme nous avons l'habitude de le dire, par rapport à notre ancêtre Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, versets 5 à 7, Moïse mourit à 120 ans. Moi aussi, je vivrai jusqu'à 120 ans. Je vivrai longtemps, longtemps encore, jamais dans la pauvreté, mais dans l'abondance spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'avait pas perdu sa vue, ni la vigueur de son corps. Les jeunes gens se fatiguent dans leur adolescence. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Chaque matin, nous courons sans nous fatiguer, parce que l'Éternel est notre force. Voilà pourquoi nous sommes en bonne santé. Que cela soit votre partage, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Vraiment. Je me souviens encore à l'écoute de l'avenir avec le pasteur Roger Baka. Nous sommes là, déjà, pasteur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Jean chapitre 8, le verset 30. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Et vous êtes prêt de nous expliquer ou de nous dire que la vérité. Mais bien sûr, parce que 1 Timothée chapitre 4 dit, l'Esprit dit expressement que vers le temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Mais en bas, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, mais toi, fais preuve d'un bon évangéliste, exhorte, reprends, censure avec douceur, car, bien aimé, vous savez que nous sommes à l'époque où les gens ont la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ouais, ouais. Mais nous croyons que l'Éternel va restaurer la vérité parce qu'il connaît ses brebis. Mm-hmm. Et ses brebis entendons sa voix. Même à Tabazana nga eli ya obunga wana ba ko zonga la nzambi parce que mon ngongo ezoloba ezaya baka. Mais les paroles sont les paroles du Seigneur. Amen. Vraiment. Nous commençons déjà cette émission. Laissez-moi dire déjà un grand merci. Nabalandignon, c'est émission d'Ora Loua. Benga baba kote ba kota Congo, bravo, nous sommes là. Neka elobara. Hein, mon vieux, j'ignore déjà ce deux derniers quotas, ouais, ils ont quota déjà. Papa, quelle différence faites-vous entre musique chrétienne, tout le monde a musique chrétienne, la musique dite profonde. Parce que le lot, tous les bah, différences, c'est Zawapi. Dans le clip, tout le monde a dit, on n'a pas testé, on n'en parle même pas. Différence, c'est Zawapi. Bon, moi, je pense que la musique profane et la musique chrétienne, ils ont le goût là-bas, circonscrit car chant la musique. Mais la musique, est, la définition, elle est universelle. Nous disons. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, ce sont des instruments qu'on mélange. Là, il n'y a pas encore de paroles. Vous comprenez? La différence ne vient pas au niveau de la musique, parce que la musique a une définition standard. Nous croyons que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand on dit musique profane ou musique chrétienne, c'est là où se pose la problématique. La musique chrétienne s'appelle psaume ou psalmos. Ce qui veut dire un poème. Ce qui veut dire des paroles accompagnées avec des instruments de la musique. Amen. Mais dédiées à qui? Dédiées à leur créateur. Donc, dans la musique dite psalmos ou psaume ou bien poème, chanté avec accompagnement de la musique, c'est pour la louange, l'adoration et la gloire de sa majesté le roi des gloires.
Et si quelqu'un me pose la question, qui est-ce sa majesté le roi de gloire? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. C'est lui la potasse des foulons. C'est lui l'hélice des vallées. C'est lui le Shiloh d'Israël. C'est lui la manne cachée, la pierre angulaire, le véritable. Ah Jésus. Non, mon amour, tu vas commencer la bakombo pour être vocabulaire de la souka. Ça veut dire en d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, la différence entre la musique profane et la musique dite chrétienne. La musique dite chrétienne, ce sont les psaumes, ce sont des chansons, des poèmes élaborés uniquement pour célébrer le nom de Dieu. Ma musique profane, c'est la combinaison des sons, toujours d'une manière agréable à l'oreille, mais pas nécessairement pour chanter Dieu, pour chanter Jésus. Vraiment. Non, pas pour chanter le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Kuna ba yembe la ramo asi. Kuna ba yembe la rambong. Kuna yembe la kitoko ya mwasi. Kuna ba yembe la ka. En tout cas, ils chantent pour tout. Moustiquaire. Même moustiquaire. Ah, donc, Kuna, on chante comme une profession pour avoir de l'argent. Mais dans la musique dite chrétienne, on ne devrait pas chanter pour avoir l'argent. Vraiment. On devrait chanter pour rendre gloire à celui qui nous a sauvés. Ce n'est pas une profession, mais c'est une vocation. Parce que la profession est un ensemble d'actes répétés avec une rémunération à la fin du mois. Alors s'il y a un musicien qui fait profession, carrière musicale, je vous insulte, je vous exhorte, mais je vais parler de ça ici. Vraiment. Nous, on n'est pas pasteur de carrière professionnelle. Nous, on est pasteur par vocation. Donc, voilà la différence. Bissot de salat, tu ne peux pas foutre ta bissot. La bissot de salat, rapport au salé, l'anzambe, tu peux le coup, tu peux te créer bissot. Voilà un peu. Pasteur Roger Fongol déjà ma solo, à Fongol déjà ma ramounionso, et le frère de Dossi. Parce que toujours à depuis Kondo allait mon loto à Kenda, tout le monde aura ma camboire comme au béba. Musique au Tébaki avant, aux Alakiwana, toujours Yemba, na lelo, il y a une différence. N'a pas testé papa Nangai. Et ça dit à Nini, c'est comme si lelo, décoche le bot à la bambongo, bazemba mingi bango. Dit à quoi? Bah tengami, bah bunginzela ou bien comment? Vous savez, la Bible dit vers le temps de la fin, il y aura une disette. Il y aura une famine, non pas la famine de pain et de la nourriture, mais la disette d'écouter ou d'entendre les véritables paroles de l'Éternel. Hosanna. C'est une prophétie qui affecte aussi le contenu musical. Parce que le musicien ne chante que ce qu'il a reçu comme prédication. Vraiment. Il ne chante que ce qu'on lui a donné comme révélation des Écritures dans la quatre églises. Bon, maintenant, dès lors qu'au niveau déjà, Bissomorobatei, disette ou anekoti, nous allons et l'andipe baïembi. Moi, baïembi, je suis bien, exacte. Alors, ce qui va aggraver le cas de Bahembi, le manque de la vie de prière. Parce que ce que nous avons dit, c'est une profession. Dans la profession, la quintessence repose sur la répétition. Donc, on a une répétition des autres à la Yazala. Il faut répéter, il faut faire la toute une inspiration des anines. On a une telle année, mais nous, nous savons une seule chose. Le communicateur indispensable de la grâce. Celui qui nous donne l'inspiration des Écritures pour chanter, pour mettre les thématiques, pour comprendre les problèmes de l'époque. Est-ce ma belle raison générale, les autres générations dans Zambanga, les gens n'ont qu'à Tanzembo. Nous avons sonné les profondeurs de Dieu. Pas révélé en Oyemba en et comme la vérité à saison et Simbaba, c'est le Saint-Esprit. Or, les gens n'ont pas le temps de la prière. Il y a à favoriser répétition au détriment de quoi? Au détriment des temps de prière. Tu verras bien caractéristique comme Mikolo Moyembi Mosala les années. Aya yembi 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 so atoki. Abimi banda. Eh on passe la zote akuna ya bandi. Na libanda kuna babeta masolo. To yembi fo. To yembi webi ke. Non, ça dit ba bengi so ya oyemba. Ba lobi na ke temps ba pesse ça de 10h à 11h. Mais Moyembi akamati 3 contrats. Mangwa, c'est la raison qu'il cherche. Oui, quand oui. Il chante partout là, c'est pas la vocation. Quand il chante partout là, il calcule 200. Ah, attends, on peut ça sur 150 kuna. Moi, on a 200 côté mis moi loko moko. Surtout nous, mais bana batuna sana bonga kina bo. Eh, c'est ils sont benga bana batu. Ça veut dire manque de temps de prière. Pas va consoter, rien ne remplace le Saint-Esprit. Vraiment. Osa la motei. Osa la moyembi. Aiguisement là comme l'aigle, retourne vers la montagne. Parce que plus tu passes le temps avec Dieu, tu développes ce qu'on appelle l'intuition. Parce que le temps passé avec le Saint-Esprit dans la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est une communion, c'est la faculté de l'Esprit que Dieu t'a donné. Maintenant, ça va développer l'intuition. C'est la capacité d'écouter Dieu quand il te parle.
C'est là où il te donne des signaux divins. Parce que ce qui qualifie quelqu'un dans le ministère, dans la chanson, dans les services divins, c'est sa capacité de percevoir, non pas de manière intermittente, mais de manière permanente les signaux divins. Ça dit net ofandi no bo écriture nzamba pesio malamoko. Olingo yamba bo verser nzamba pesio malamoko. Si qu'on sort en attendant la priorité. Papa. Nebilo otro mu ga mikolo. Musicien comme spécialiste en matière de robini sabato. Mais Galate dit quoi? Les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Ça veut dire que l'esprit de l'homme, quand c'est régénéré, il a des désirs des angaratés. La méditation de la parole de Dieu, parce qu'il va pousser l'homme corps et l'homme âme à s'attacher à la parole de Dieu. Mais sauf que si on présente cet esprit exalté, frère Foga, ma composition, n'a évité, il n'a pas de composition, Mikolo. Et dans un zembo moroboye, dans la nique permission, au salaki, saison. Saison sèche de la cape, saison de. On va analyser. Okay. Est-ce qu'il dit que le chrétien vivra-t-il selon la condition? Vraiment. Le chrétien vit selon la position. Vraiment. Mais ils ont un repère à l'équipe. Dans l'être humain, joue ces deux principes. La loi de la pesanteur joue, la loi de l'assistantation agit. Le principe du naturel agit et le principe du surnaturel aussi agit. Tout ça, c'est que l'être humain est l'être humain est composé de trois hommes comprenant des natures. Il y a l'enfant de ses parents qui est composé de l'homme âme et l'homme corps. Mais il y a l'enfant de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12 qui est né selon la volonté de Dieu, non pas selon la volonté de l'homme. Surtout, il y a une saison sèche, Zalaka. La saison de pluie. On ne refuse pas. Mais tu parles de quoi? De la production. C'est-à-dire la période où on va reproduire. Et c'est la période où on va reproduire parce que la saison a été. Ah, c'est la saison a été. Mais que dit l'Ancien Testament par rapport à ce que la sœur a chanté? Dans la construction du tabernacle, dans le chandelier, dans le calice, peut-être que les gens ne comprennent pas, c'est l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Bon, papa, tu as dit, chandelier, ça a combien de lampes? 7. Ok. Dieu n'a rien fait par hasard. Le chiffre 7 dans le langage biblique, ça représente l'œuvre de Dieu dans la perfection. Pour que l'œuvre de Dieu soit dans la perfection, l'activité de Dieu parmi les hommes est toujours parfaite. Car deux éléments caractérisent le royaume des cieux, l'ordre et la perfection. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'ordre. Et tout ce que Dieu fait, il le fait dans la perfection. Si quoi, l'empouana, ils ont représenté chrétiens. Vous en avez bien. Donc, les lieux là, le monde doit être éclairé par les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible est là-bas. Vous êtes le sel de la terre. Si on a quand il y a lampe, on sent mal à la tempête. On a quand il y a dans la singa. Ok. Le singa qui est dans la lampe là, c'est ça ton esprit. Parce que j'ai dit que lampe est à Yomoutou. Mais singa la carte est à Nani. Voilà. Maintenant. Pour que la lampe s'endrette, rappelle-toi de Samuel, 1 Samuel chapitre 3. Samuel était dans la maison de l'Éternel, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais qu'est-ce qui a fait que la lampe ne s'éteigne pas? Tu rentres dans la loi de Moïse, à la loi de Moïse, tu prendras l'huile les pires concassées. Hosanna. Et nous avons bon zombie d'abord tout en haut. Bon, c'est l'ampe à mélanger. Mais ma foute en akaka. Bon, son père, on a quand il y a signé la lampe. Objectif, que la lampe ne s'éteigne ni jour ni nuit. Alors les chrétiens. L'huile le pire concassée représente le Saint-Esprit. Le fil représente mon esprit où le Saint-Esprit vient habiter comme sa demeure. Et maintenant, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas de saison. En accord avec Psaume chapitre 1, le verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Voilà la réponse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui, il réussit. Où est la saison? Ah, vraiment, tozo rare à Maramo, tozo kawa, pasteur azo exotemi, tozo faire savoir abisso. Pasteur, ezapena nzembo mususu ezo beta mikolo yo. L'actualité nous oblige, laissez-moi dire ça. Bam nzembo ya pasteur, que je salue, le pasteur Moïse Mbié, le ezo beta. Il y a des gens qui vont critiquer le point de vue par rapport à ça parce que c'est de la musique chrétienne. Toi, qu'est-ce que tu as compris dans cette chanson? Naki na mawa na zongi na sengo. Sarah est na mawa, Abimi na Isaac. Oui, mais moi je trouve. Non, mais moi tout ce que tu me dis là, je trouve aucun problème.
tout ce que je sais autour de la Katanzimbo Oyembiwana, nous sommes en train de dire que nous constatons à travers la chanson qu'il y a des signes qui ne valent pas la peine et la Katanzimbo Wana. Vous savez le vrai problème, vous ne comprenez pas tout ça, Bandeko Nanda. S'il vous plaît, je vous aime. Oyebike, un produit de leur côté dans le studio, au sali œuvre, au lançant la télévision et commis une consommation publique, ce n'est plus ton produit. Vraiment. Même toi, tu as l'émission, Boué. Tout ce que j'ai dit m'engage. Dès lors que, comme il supporte la diffusion à la télévision, tout le monde a le droit de critiquer ce que j'ai fait. Vraiment. Parce que j'ai livré à la consommation quelque chose. Vraiment. Alors, je te donne un exemple. Toi, tu fabriques le pain. Tu nous donnes le pain semi-ouvré. Donc, courez quand on a dit ma pébélité. Au père, si tu as dit ma boumoupasse, constipation spirituelle. Au lieu l'église est à la réunie, l'église est comme divisée. Donc, on se taise. Toi, tu le connais au panda. Et lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix, à Koufa pour Nabatou, nous allons nous taire. Non! Il y a des signes que nous n'avons pas aimés là-dedans. Vraiment. Il y a des paroles que nous n'avons pas aimées là-dedans. Vraiment. Il y a des mouvements que nous n'avons pas aimés là-dedans. Et donc, nous n'avons pris le courage de dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas aimées et nous ne voulons plus que ça se répète. Vraiment. Nous ne voulons plus que ça continue. Ce qui permet aux serviteurs de Dieu que nous sommes, Nabayembe Moussousou, Eriango Zanana Studio, Banda Osilveaka, Biloko Yosalaki. C'est la version originale dans le bagage studio. C'est maintenant. Vérifie d'abord ce que tu fais. Tous les chanteurs musiciens, il faut que tu commences à niveau ton bang à Kapinzambe. Parce que on ne parle. Est-ce que tu vas finir mon tour? Moi, sinon, jamais. Tu vas finir papa et mouton. Non. Tu vas finir mon tour. Tu vas finir mon tour. Nous ne parlons pas de ça. Dès lors que tu touches les eaux de l'évangile, tu vas finir le mélange de ton bagage papa. Ce qui est glissé, c'est Abino. C'est la maison de notre père. Et si c'est votre église seulement, choisissez autre chose. Si c'est la Bible, donc nous parlerons toujours de la Bible. Voilà pourquoi tu te l'aimes à Kinzem, voilà, parce que bah, signe ça, Minakati, tu vas signer à franc-maçonnerie. Mais le signe là, où est ça, Minakati, parce que erreur, Minda Spikaka, et ça, erreur, il y a clavier. Tellement qu'à mettre un clavier trop bon, et ça, non, caca, mais ça, il y a pour ça, la boue, et ça. Invitez un peu dans la salle, il y a le gros là, il y a le big à mettre un clavier, Mingi, il y a un salin, il y a un salin. Parce que le bateau, qui s'est abacasé, il y a un mais je vis aussi une photo de frère Mike Alamba et qui a fait ça et je sais pas. Ça l'engage. L'erreur est il mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Il y a un peu de vie, papa, on peut faire un exemple. Au moment où tout le monde est distrait, à Betim Bata est raté. Au Talibou Mbata est raté. On dit, ah, tant que c'est ça qui par hasard, on a Betim Mbata. On va le dire sur mon Congo. A bête sur mon bataille, tant que ça la boue, et raté le sous. On dit, oh frère, ça fait deux fois que je suis au sommet de la boue, et ça a coïncidé sa coïncidence. Sur la bête, il y a mis ça, tu es raté. Et commis sabotage. Donc, tout le monde a commettre erreur, moko trois fois, tu es dans quatre lieux. C'est que c'est une tentative de sabotage des âmes, mais qui n'est pas perçue par les esprits qui sont éveillés. Puis, ça, même si on a guetteur, on a quatre ministères, cinq ministères, on a guetteur à ça. Nous avons un sentinelle à établir dans la carte Mboka. Peu importe son âge, il est en train de veiller sur les âmes. Si on met l'excellent moi, Mabé, au moins, on a un guetteur à remarquer. Soit remarquant, il sonne de la trompette. Soit sonne de trompette, le peuple va se préparer. Et si il va y avoir un lobby, il y a un lobby psychologue. Il y a un lobby qui comprend. Et l'autre, on va dire que c'est un lobby qui lobby. Et c'est une confusion. Et l'autre, on va dire que c'est un sabbat. Et on va dire que c'est un kimia. Mais on va dire que c'est un lobby qui est un lobby qui est un. Et j'interdis aux gens de citer pas ce nom-là. C'est vraiment une déesse de séduction. Peut-être que si tu as dit la blague, mais que l'autre attend que tu as dit que tu as dit que ça congélateur dit que tu as dit. Mais moi, j'ai connu un frère qui s'appelle Gégé. Quand on a dit Bongo Abi, à partir de là, on a dit que tu as dit. Mais c'est que frère Raza vraiment sérieux plus que les hommes de Dieu. Un simple individu, pasteur T, a dit que tu as dit que tu as dit que. Combien ça te coûterait pour la valeur d'une âme? Tu sais combien coûte une âme? Une âme coûte la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ce qu'on monde dit dans l'âme, c'est simple, le gars de la télévision, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, j'ai commis une erreur. J'ai commis une faute grave. En tout cas, c'est qu'on a par hasard. Pardonnez-moi, je ne répéterai plus de choses pareilles. Nous, on n'a pas le droit de te condamner ni de te bloquer. Mais si tu persévères dans la justification, nous, on va persévérer pour démontrer que ce n'était pas des hasards. Tu as fait ça à bon escient et tu sais ce que tu disais. Mais si tu as dit que tu as dit une église, tu as dit que tu as dit que tu as dit ça. Il y a la monnaie qui a fait un poison.
C'est-à-dire, na ébission moi na Congo. Défendre Jésus. Je suis en train. Non, non, défendre Jésus ne signifie pas que n'a pas tout apôtre pour la pékisage. J'en attends là. Nanda kuzwa 1 Jean chapitre 2 le verset 18 au verset 19. Ponga nanda kuloba mingi mingi to sona loba mingi mingi baloba loba kiye moko. À l'écoute de l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Jean chapitre 2 le verset 18 au verset 19, je paraphrase. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ngonga suka yango, mi pepenyo se sobeta. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes que nous ne sommes pas avec eux. Papa, le signe à franc-maçonnerie, c'est le salut satanique au salon. Et c'est le gambo outil de l'auteur. Quand on a un documentaire, tu as un Illuminati. Nicolas Sarkozy à Salam. François Hollande à Salam. Obama à Salam. Schroeder à Salam. Bon, Yabisanga, Nani Moussousou, Kenneth Copeland, le père spirituel de pasteur Oedepo, à Salayango. Véritable magicien Yowana. Jesse Displantis, méga preacher, à Salayango. Bon, si vous voulez comprendre, vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous allez. Même quand tu parles, c'est le message subliminaux. Ça, la mot de manière est captivé. Attention à Batouté. Mais malheureusement, chaque chose a son temps. Le temps ici, c'est le temps où le Saint-Esprit s'est élevé pour restaurer les valeurs spirituelles inversées. Bouleversement politique, bouleversement ecclésiastique. Nouvelle génération suscité. Si vous avez qui m'a Saint-Esprit, que Dieu soit loué. Vraiment. Pasteur, parce que nous sommes en train de parler. Sur la réalité de la musique chrétienne avant d'entamer sur notre deuxième thème Oezali miracle, le phénomène miracle Oezalelo. Je vis dans la télévision le chantre chrétien chanteur pour le Bamarama moustiquaire. Batalisi batu que moustiquaire est en valeur ya ko batte la moana mouton moutou na malaria. Est-ce que c'est normal selon vous? Bon, bien aimé dans le Seigneur, moi je pense que tu sais, ils ont travaillé pour Nambongo. Ceux qui sont consacrés au Seigneur sont consacrés pour donner leur voix à Dieu. Vous voyez, par exemple, Moïse, il y a des gens en Israël. Moïse a taliban à l'obi. Croyez-vous que de ces rochers peuvent sortir de l'eau? Donc, il s'est attribué l'autorité de Dieu. Première infraction. Deuxième infraction, à Kamatin, c'était Abetina Rocher. Maï Bimité. Pourquoi vous savez, il y a des choses que nous faisons, Dieu nous couvre. Parce que les gens savent que toi, c'est l'anzam, mais moi, je suis un ami sur Batou, exacté. Il y a un moment où je suis allé, ils ont réussi pour. Nous avons dévoilé mon ami sur Batou, nous avons mal vu. La consécration est un acte par lequel une personne est mise de côté pour le service de Dieu. Nous avons un film nigérien. Yo yebi que nasora ba sponsor sponsor mokayaki ayina iloko moko bezo tourner loko l'étoile azebi sanga biso tinto sponsorizo ozan audience makasi sko audience ona photo peso mbongo hein yo tika kaka bouchon moko balukaka me baninga nanga bandi maka ulungolo bakina zaina crise peut-être je n'ai gagné pas plus de $100 mais na yebi si bango moi Roger Baka que Dieu a guéri de l'hépatite virale du type C, une maladie au même titre que les sida qui ronge les cellules du corps. Il m'a pris de 85 kilos, la comité n'a 44. Bah, tu vas déclarer que dans la sida, alors binanga, tu seras guéri. Hernie bilatérale consultée et constatée par la clinique Ngaliema. Hernie à droite, hernie à gauche. Au bakisi, appendicite aiguë. Nyon sawana et limouin dans notre basse à l'opération, t'es malade ici. Pancréas, c'est là qui bolo, le zongi normal. Malade de bikisakate. Oui, ça va mettre un bouchon pour avoir 100 000 dollars. Mais bien aimé, choisissez qui vous voulez servir. En tout cas, moi j'estime. Parce que ce sont les mêmes chants, la confusion dans la tête à Kinshasa. Pasteur Mouaz à Congo, à ce moment-là, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Miracle, c'est des mensonges. L'éternel agit à son temps. Qui peut prévoir le miracle de Dieu? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Ça s'opère à caractère mystérieux. Ça dit que yo moi habité. Tu sais combien de miracles dans basala na biso mususu oza ku to courant mais ba bengo na télévision habitant on va na côté ya talika mobi salami. Ndeko nanga.
si comme muto baso mona kaza un fossoyeur na kat évangile yo moyen mi kipirité l'argent pour l'amour de l'argent tu as sacrifié Elohim ah ndeko nanga yo la kaki nzambo kotambo lo kotombo la kombo na le lo komo vana ba pasteur a lokuta aujourd'hui 300 dollars on tient la poche OK yé mi peuple de ba komo tuna siko ah bon mo soka saka muta lokuta bon ndeni mama na biso yemba makasi sero ya mwa sio nande kwa mobali ba ke ko yemba na kat église na Assez années, Moutouma. Voilà la confusion là où ça vient. La Bible a dit il n'y aura pas de lien entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Tel que confirmé la Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celui-ci te mordra les talons, toi tu l'écraseras la tête. Nous sommes là, il y a quoi écraser la tête du serpent. Surtout, tu as confusion. Bien aimé dans le Seigneur, vous y trompez pas. Nous avons la finalité du Kambouté. Nambata la car résultat t'es pas un exemple le plus important c'est la source qui produit le miracle. Ça dit sur le monde au bon endroit bat va bika t'es au bas que tour de Babel. Et ça que le malam la première fois la société s'est organisée pour faire une œuvre qui monte vers le ciel. Même l'Éternel a vanté bah moi regarder les hommes sur la terre bah sangani bah ça le roman malam dans l'unité. Mais descendons empêcher les d'arriver ici. Ça veut dire quoi? Même si les gens vous acclament bah mettre un bon miracle social. Si l'Éternel n'a pas initié cette œuvre là. Sachez que c'est une œuvre qui est destinée à l'échec, à la condamnation, à la perdition. C'est ce qui va venir dans la suite des temps. Après, dans ma cambote, dans l'avertissement, la colère de l'Éternel va descendre. Et qu'on frappe et nous allons voir des yeux, les gens se souviendront des choses que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Frère, on est dans Thessaloniciens chapitre 2. Hein? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, hein, sans comprendre le verset, on a aux ongles sous la Matthieu chapitre 24, le verset 3 au verset 4. Quand Jésus-Christ a dit, prenez garde à vous, signe à l'Iboso, prenez garde. Bah, toi, Luka, bah, signe. Oh Seigneur, dis-nous quel sera le suite de ton avenir. Mais prenez garde. Sans ta mission, prenez garde. C'est-à-dire que Moutouma, ça peut mener à Yohana. Un loup dévorant. Mais là, tu peux se faire bien. Là, tu peux croire à un col pastoral. Surtout, bah, ça crée dangereux. Au moment où on a tellement d'entendre là, papa, aucun habit local wap. Même si l'ange Michael pouvait s'habiller comme ça, je dirais ange Michael, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, rentre là-bas en Israël, il va changer les habits. En tout cas, boy, biloko c'est le cas déjà dans l'Ancien Testament. Nous sommes les chrétiens de l'autre côté de la croix. L'Éternel est avec nous, un abri sûr au travers son doigt qui est le Saint Esprit, en accord avec Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 17. Vraiment. Et nous allons boy, Antichrist ça y est, bah faux prophète, hein, bah y est, bah côté et bel, oui bah compliqué bah c'est ensemble. Maintenant que le peuple va comprendre que pose à passer la solo fausse à la jeep, pose à passer la solo fausse à la qui n'a outil poto, sans à passer la solo qui n'a outil États-Unis, on attend goyer donc qui aussi on mélie vitalon mais beaucoup mis rouge des intimidations inutiles, bah anglais moque zangati n'a osé intimider bah tout bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la modernité et le voyage, quelle que soit la grandeur de l'architecture du temple, la qualité d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas la beauté de son temple, mais c'est la qualité des serviteurs de Dieu qu'il produit pour le ministère. Qualité a battu les autres, mais ça va pas. Bah multiplicateur de l'argent. Mais bah on tout bah comme le loso qui a bimi, ils ont la chance, ils ont la pasteur, bah qui marra en États-Unis, au premier voyage États-Unis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que aux États-Unis se trouve la suprématie du pouvoir de la franc-maçonnerie qu'on appelle le Conseil mondial des églises de réveil. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des pyramides à 1 dollar. Au moins, il y a deux pyramides tronquées, collées avec les flèches et la lumière qui va dans tous les sens. Il y a deux pyramides. La première pyramide, c'est la logique de la franc-maçonnerie, fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, prêtre jésuite très plongé dans la franc-maçonnerie. En 1933, Donald Roosevelt va décider de mettre le symbole à 4 dollars pour commencer Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial. Donc, yo pasteur, vous allez vous en dire, vous allez vous en dire, vous allez vous en dire, vous allez vous en renversement de la croix. Donc, tout ce que vous allez vous en dire, le renversement de la croix, c'est quoi? La kisa vous allez vous en dire. Vous allez vous en dire, domestique na bongo pe sa bon mabala. Kendo ko bisa bango baluka makamba mokilio yo ba passeport ba visa pe sa bango bolingwa voyage ba bosa na ke ils sont en train d'attendre le retour du fils de l'homme afin que l'église monte sans ride ni tache ni quelque chose de semblable. Ne leur montrez pas que le royaume de Dieu existe, montrez-leur le royaume de la terre. Un chantre de Dieu yambo kana biso mo sa ki succès, vraiment je n'ai aucun problème na ba ndeko nanga wana parce que na ba ki appelle moko frère yo comment critiquer hein. Non je ne critique pas vraiment papa Asali album et Betaki, vous, tout le monde est concerné, moi, qui n'habite si c'est parmi, je demande.
fondation, je ne cite pas son nom, fondation par exemple, Dieu de Diasso, il fait un concert, $20, boye belé, boye belé, boye bena bambo, wana to soutenir batou. Ba fazer, ba nebite, initiative wana. C'est azo rendre gloire nan zambe na concert wana ou c'est pour l'argent, nebite le nom. Ba fondation, et comme beloka fondation Kingan. Frère, fondation Kingan. D'abord, n'a pas autorisation. À vous qui parlez, vous savez, il y a une écriture dans Matthieu chapitre 22, le verset 29. Vraiment. Mon fils, naina yo kabana nanga bazali ya baloba. Matthieu chapitre 22 le verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les écritures et la puissance. Mais les gens sont en train de débiter des versets bibliques à tort et à travers. On ne juge point. Est-ce que tangina c'est la même mesure que tu vas utiliser pour les autres, c'est la même mesure qu'on utilisera pour toi. Donc, jugez afin que vous soyez jugés. Donc, si on a 100 000 samoutou, on a 100 000 samoutou. Eh frère, le bison a 22 000 samoutou. Au nom de Jagé. Parce que tu as dit que le frère aujourd'hui, Yahweh tonine. Parce que 1 Corinthiens 14, et Zolo Banabiso très clairement. Même les objets inanimés produisent un son clair. Quand on joue la harpe, on sait identifier, même si on n'a pas vu la harpe, que c'est la harpe. Lorsqu'on joue la flûte, même tu as une flûte, tu as chez le Wasabi, il y a une flûte qui joue quelque part. Mais si les objets inanimés produisent un son clair, à combien plus forte raison toi, serviteur de Dieu, trompette de l'Éternel, pour préparer le peuple au retour du Fils de l'homme, Hosanna. Sonne trompette clairement pour que le peuple se prépare à la bataille. Il y a besoin de ton jugement. Aussi, on t'en a 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, le verset 13. Je vais te lire ça. Corinthiens chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, il est idolâtre. Okay. C'est moi? Non, non, c'est la Bible. Apôtre pour la Bible, de ne pas avoir des relations. Si vous avez un peu de temps, oh non, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. On est moussé dans le temps parce qu'on a dit le nom de Jésus. Non! Le Saint-Esprit qui sont de les relations. Il y a un pasteur qui est dans la Kinshasa. Je bénis le Seigneur. Moi, j'ai des hommes de Dieu qui sont dans la Bango. Mais quand tu écoutes, tu sens l'humilité. Tu sens la consécration d'un homme. Tu sens l'effacement. Mais lorsque tu croises quelqu'un, donc après Jésus-Christ est néié. Tu as un but. On le reconnaît par leur orgueil. Quand il parle, tout le monde est inférieur. Yenda Zalikolo. Mais qui vont dire ça? Qui vont jamais zater. Moutoua la Bible, le Bible. Bon, vendre la yette, ce qu'on apporte pour la saki, kanda ma casse, le Bible. De ne même pas manger avec lui. Bisous de son jugé kak. Je suis quand on y va jugement, apporte pour la Bible, pour l'y en a yette. Donc, on a un restaurant, on a un côté, dès que nous avons un télémi, on a un pakati mbangu, parce qu'apporte pour la Bible, il y a une place dans la zali. Aux alate, pourquoi? Parce que kanda n'a besoin qui t'a dit que nous avons un. Si ce n'est pas la mort physique précoce, on a un AVC. Si on a un AVC, on a un malade, on a déshonoré, on a un bâtiment, on a un sakana qui n'a yé. Il y a un seul logo, la salle qui m'a été moroué. Alors, il y a un moro, il y a un mot comme évangile, on a un mot comme $500, $1000, c'est là, on a quoi attraper. Yo. Tu mourras de la mort des incirconcis. Moi, je mourrai à ma tavion. Avec Pela, moto Nicolas, tout en agri. A quitter la scène, même l'Inza qui a retiré la tête. La mort des incirconcis. Papa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps avec sa peuple qui est en train de se faire. Mon cher, je suis désolé. Parce que si tu continues à vendre des gens, tu risques d'évangiliser les assoustés. Tu sais, ces gens viennent d'où? Je suis les hégémonistes. Qui est-ce qu'on appelle hégémoniste? Ce sont des pouvoirs sataniques souverains qui émanent du monde des ténèbres et qui connaissent la destinée prophétique des nations. Est-ce que le Congo fait un évangile dans le monde? Vous savez ça? Il y a une prophétie qui a dit que Congo. Papa, basé Belé, la Zanga Moroté, détrompe-toi. Peut-être moi je suis la voix qui crie à la télévision et l'internet. Vraiment. Il y a mille, plus de 10 000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Baza, Bazoya, Baza, monsieur, la carte à préparation. Bazoban a poisonné. Ah, voilà, Marc chapitre 16, le verset 16 à 17. Poison. Au monde, ça dire dans Roger Baka est caché en Christ. La vie de Christ est cachée en Dieu. Yo, Lukangai. Et d'ailleurs, puisque le vide est poison, je t'informe que dès lors, je suis idée à retirer la poison. Moi, je suis allé au Kufana Tongo. Yami Bala Kufina, 17h, je suis allé au Kufana Tongo.
Nalobaki na TV qu'il fallait poser idée wana. Et puis yo moko pe okufa sur na poison. Ah oui, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas du mal à mes prophètes, ainsi dit l'Éternel. Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne puissance nyonso de Bolandanga. Et se soumettre à la voix de l'agneau et libérer famille Nabino au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec un effet immédiat. Le résultat sera témoigné bientôt. Baba Kissi, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est devenu une nouvelle créature. Marc 16 lui donne un nouveau langage. Sans avoir doute, nous allons revenir pour éclairer sur le parler en langue avec toutes ses composantes. 3. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Attends, il y a un beauté. Papa, il y a combien de belles? Dis, bon, tu as posé dans le beau. C'est tout le monde qui peut se mettre. Le problème est ça. Boya. Je crois que vous serez le premier à témoigner que vous pensez qu'il y a un beauté. Mais aujourd'hui, il y a un beau. Il y a un beau qui y a. Au koufi, je ne le dis pas parce que moi je suis sûr de moi. Je le dis parce que la Bible déclare, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant la face de mon père. Comme je n'ai pas eu honte de mon père, j'ai pris l'engagement de prendre le risque. Au nom de la vérité, au contraire, parce que l'Éternel Dieu est descendu avec colère. Oh non, tu as un moyen. Pour la raison, ça va rater la barrière. Et Roger Baka, Ndumba, Boyoka Sanga, Bimisi, Asali Mwasi Boy, Bandekola, Soboki Makamara Yeso, théâtre. Théâtre. Et puis vous n'aurez même pas le courage de parler parce que c'est tellement grave que Dieu éternel, Dieu est descendu avec la colère. Oya Komeka Osanga, la Kanaba de Bane Zangatina, au nom de mon nom, Narokotana Esaïe 54. Quiconque citera ton nom devant le jugement, tu le condamneras. Natelemina Tongo. Papa, vous venez à la toile, là, tu sois Bani Makamwana, appelle ce conseil, bien à la téléphone. 09 98 82. 0 0 0 4 Frère Roger, ba benga linga na sala boina boina ngaba na ngaba kufa. Yangona na bengona ebisa yo. Vraiment. Tangela ngala kombo. Bon temps na kosonga na TV frère. Je crois que je vais déclarer ba kanga église. Ba tuba ka lesu église wana te parce que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Au moins une génération est différent. Oh yeso ya turo, esa génération compromission te. Que non yo sali mabe no muninga na ngato couvrir yo. Ah, na couvrir yo. Ba amba zo kufa. Ézéchiel chapitre 3 le verset 17 au verset 19. Ce qui m'a béé, na lobino loba yo lobite, et que peuple nanga koufi, ko ganga nena zo ganga boye, babi misanga makile ya batu, oye fale na te ya bango babika ba, na loba kite, nan souka api. Nous allons cracher la vérité, c'est le temps où un Thessalonicien dit à lobi, hein, l'apostasie est déjà là. Vraiment. Et le mystère de l'iniquité agit déjà. Le ministère de l'iniquité agit avec beaucoup de miracles et de prodiges. Ba misi, ba poisson, ba ngombe, ba zobima batu, ngombe déjà bimi. Na mouné kaka l'ingoubou. Bon, fait, prenez garde, hein, parce qu'un jour viendra. Parce que aussi, l'État doit prêter attention. La tradition écologique veut qu'au niveau de l'environnement, qu'il y ait l'écosystème. Équilibré ça, entre Batuna Banyama, Banyama, Faune, Flair. Si on se bat Nyamazo, Koufébele, nous risquons d'avoir un problème dans la jardin zoologique. Ce n'est pas très intéressant. C'est-à-dire, on se bat Nyamazo, Bimi, Bokeni, Zobotikaï. Mais moi, ce que je sais, ce qui est esprit reste esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Il y a ce côté moli, moi, bima, esprit. On a défendu qui n'est pas frère européen. Le bas clairement. À côté moli, mon dieu. À côté moli, mon donc, entraîne dans nos autres mariés et banaté. Directement, à se retrouver dans 4 pépé qu'on bimane le labima. La chère babi, que non, c'est normal. Il y a ma côté qui spirituellement, mais abimi physiquement, tout moli. Dans mon ami, c'est dans l'icolo, dans la TV. Je te demande une chose. Tu connais, voilà, Jésus-Christ, c'est ça démonté. D'abord, les exemples, moi, ils ont typiquité. Toi, il y a des démons, mais il y a des gens qui Jésus à côté de moi. Jésus, il est la lumière. Les démons et les ténèbres. Pourquoi tu fais la comparaison? Voilà encore les erreurs que vous commettez. Toutes choses restant égales par ailleurs, la vérité la plus simple est toujours la meilleure. Principe de parcimonie en économie. On ne peut pas comparer des choses qui ne se ressemblent pas. Jésus qui est de la lumière. Il y a des démons. Bon, ils ont comparé Jésus à mon amour de ténèbres. L'autre exemple, il y a des démons. Non, on peut faire exemple, il y a des démons. Le fou de Gadara. Jésus a eu fou à Natelemi. A tout nié, qui es-tu? Abi, nous sommes légion. Tant ma gang, fils de l'homme. Tika, bisou, attends, ma gata, ma pou.
va pousser la même bangombe bangoul. C'est-à-dire les démons comme étant agents du diable. Le Saint-Esprit comme étant l'esprit de Jésus-Christ parmi nous. Avant bangonyo se va opérer parce qu'on a pas un support matériel, l'être humain. Ils ne peuvent pas opérer en dehors de l'être humain. Ils ne peuvent pas se manifester sous la forme animale. Bangonyo parce qu'on a pas ça mutu, à côté de la carte mutu. Ne va ni au salaire en France, mais sur le Saint-Esprit. Mais si on fout des gadara, tant que bangonyo va démon. La Bible est en forme ni. Bah continue à bangoul. Après bah sur bangoul on voit qu'il monama namai. Yo monaki tant que bangonyo va zayin la forme makaku. Après makaku va se transformer continue à bangoul. Non vous savez à toutes ces choses là, la Bible le dit dans les signes du temps de la fin. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée. Ne connaissant pas tout ça, le miracle dans la Bible. Il y a un petit exemple. Moko, Zambazo sur la Moïse. Moïse a tout dit dans l'Exode. Seigneur, Yébisanga. Et là, on y le voit que c'est plein de gens qui ont et ça, tout là. Zambé, Nga Moïse a tout dit. Mais là, on y le voit que c'est plein de gens qui ont tout dit. Zambé, Moïse a dit Moïse, Adonai, Hosanna à toi, le lion de la tribu de Juda. Alors, Moïse, lorsque tu feras sortir d'Égypte mon peuple, et que tu le ramèneras sur cette montagne d'Horeb, s'il s'agenouille sur cette montagne, sache que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Ça veut dire quoi? L'authenticité du ministère d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas la quantité géométrique de miracles qu'il fait, mais sa capacité au travers de la parole de changer le cœur des incirconcis, de les ramener à la montagne de Elohim. Mais si on commet comme ça, ça va miracle, comment créer la confusion? Combien de personnes ont perdu déjà? Si on se yemba, ils ont créé la confusion. Combien de personnes sont perdues déjà? Na tunyos comme tout là, tout ce monde là, miracle les élo. Pour la nuit, tant que nous avons besoin d'authenticité dans Moïse, alors bien que au retour, c'était la même chose qu'on a départi. T'as bien besoin de ça, un miracle. Pasteur Mokoka na Kinshasa, à Zouaga quand ils étaient, à quand ils fleuve Congo. Na battant au tout ça, l'angoisse est besoin compliqué. Na battant tout le monde, c'est la bataille compliquée. Et l'évangile comme bizarre. Ba temo ba tozo comprendre te. Pasteur Mokoka na nzete frère. Ndeto vandi no. Ake na flevo na beach. Atebuye. E kabana tana sukate. Tina katikati. Yo za sirio na ngasu micro. Si ba tiens ba pakati mbangona. Menza ba betri sola maite. Il y a des choses qui ne sont que des étonnements pour les païens, pas pour les enfants de Dieu. Pour nzambe c'est la conversion des cœurs qui compte. Le reste là, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi bino matbotel là ba miracle. Oye baga que parmi les signes du temps de la fin, bago sala ba miracle bele si le cela était possible bago tromper na ba élu. Vraiment. Mais biso total la miracle était montrez-nous l'agneau. Montrez-nous le Jésus-Christ de Nazareth. Montrez-nous le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et si vous rentrez dans l'Ancien Testament, n'oubliez pas Deutéronome chapitre, n'oubliez pas Hébreux chapitre 8 le verset 7. Que toutes ces choses là c'était l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Auquel l'Ancien Testament, côté Abisso, au passé simple était. Oh, lorsque Moïse avait marché sur les eaux, alors Abisso, on était dans la fleuve Congo. Dis-nous quelle est la révélation qui est cachée derrière Moïse qui marchait sur les eaux en rapport avec Jésus-Christ, celui sur qui la prédication repose. Donc voilà, frère. Pasteur, nous sommes déjà presque à la fin. Notre avant-dernière question. Tomoni Serne Abisso, Marie Misambu. Paix à son âme. Hein? Ayembarana, Mama Tala, moi, na likolo ya podium, ya prémisse, et l'Obama Makas. Mais tout le monde a matanga ya Michel Alilouya, je crois. Le frère Michel Bakende est venu chanter. Son groupe est likolo ya podium, ya prémisse, je crois. Mais Yazaki Nassé. Quelle différence? Qui est saint ou qui a bien fait? Frère, c'est un problème de consécration. J'exhorte le frère, si c'est ça, ce que tu dis est vrai. J'exhorte mon frère Bayimbi. Vous faites attention à votre corps, ni bon matin. Vous faites attention, papa. Vous êtes un journaliste, analyse. Lui n'a fait que l'analyse. Vous savez pourquoi on avait mis les logos là? C'est pour montrer que cette production là a été sponsorisée par là, par la maison. Cette maison là donne des bières pour mettre les gens nus. Combien de gens sont atteints du sida? Après avoir pris la bière, lesquels ils tombent comme ça de l'impudicité à sida Koufi. Vous savez combien de gens meurent? Alors maintenant, yo solo bakino yo sa le côté. Est-ce que bitu ko sa consacré? Vous savez des fois au commentaire kabere toi ko yeba na sima kena sa ki bêtise. J'exhorte tous les musiciens chrétiens. Tant on va atteindre le podium. Soko moniza maltina. Oui, c'est normal, c'est une boisson sucrée. Soko moniza fanta, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que j'ai encore pour ne pas faire la publicité? Mais soko moni ko mi bière surtout ça étoile na kati. Ma kambo be étoile to zope kisabino. Soko ko mi bière, comment atteindre le podium on a te ko yemba te. Mais problème za nini? Bolingo ya mbongwe ko mi makasi na kati na bato. J'ai fait, j'ai botté en touche ta question. J'ai botté. Qu'est-ce que tu as dit? Mais la moitié, ce n'était pas utile parce que c'est que. Mais
1 Timothée chapitre 3 verset 1 à la fin. Vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens seront amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir puisque Dieu, ennemi des gens de bien. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Naza penga mon côté. Tose belé bazolo ba peut-être moi je parle à la télé, il y en a des ceux qui parlent dans les églises locales. Nde konangai. Tozonga la consécration. Tozonga la nzambo azaki atango akala atango ba pef aidi na bala. Ba papa nkelani. Ba messager. Tanga tiki koyemba ba nzembo lokola. Mokolo wana. Yo batisa maki peyo ndi maki. Ete yo kolanda Yesu kino suka. Bolingo na nzambe yo bwaki wapi mawa ho mawa mawa mokolo yango baye bandi meli e bakosekwa ba peto la mi ba konetwa esengo na yo lelo nde konanga vraiment o komi na na table de mixeur ya 16 pistes O kamata le biso guitare ya mwana ya tata na bango ba son muta beti musicien moko ba mukili moko kozwa guitare a guitare oyie na beta ka balbon mnyoso na ba studio. On n'a pas besoin de son étranger parmi les enfants de l'Éternel. Que la lumière naturelle n'entre pas. Le lieu de l'Éternel sera éclairé par le chandelier par la lumière de Shekinah. Tosuki wana. Voilà pourquoi j'exhorte baninga nanga naza na mbongo ebele ko le ka ba tunyo sote. Na solo ngoza musana nzambe ya solo tambula nzambe ya solo ndima pauvreté. Ndima kozanga. Ndima kozanga ba relation. Ko makambo na oloba. Pasteur moi Rosette, en tout cas, pasteur basan a courage, basan a onction, basan a force. Il y a combien dans la terre? Ce sont des gens qui sont souciés de la vérité. Parce que tant que ça, le moment quand mon église va y occuper, il y a ma petite tombe un peu frère, on a quoi? Le papa bien va y occuper. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis dans la joie. Nous sommes dans le courant de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Ma commande, mais faisons à la place Néango. Église comme corps de Christ, faisons la considération, faisons la voix. Atabino moko, vous aurez remarqué que mon colonne aussi, vraiment, depuis ma cambo, on va essayer d'épingler ça en passant. Et si y a un monde qui va passer, on va bien l'église catholique, la 5 ans. Et vous voulez savoir pourquoi? Trop d'aventuriers parmi les pasteurs. Yo, quand tu as la Tirbo King, tu as la Mouscador, tu as un politicien, vous venez dans mes amours, le jour où ils auront besoin d'écouter la vérité, de chercher quelqu'un qui peut parler au peuple, ils disent, et contre ce moment, moi, je suis allé. Alors, papa, il a prié dans le ministère. Oh, le ministère, le poil de l'agneau. Le pasteur, on a certain aventure. Voilà comment on a désanctifié le temple. Voilà comment on a dénigré le nom de l'Éternel. Ma génération, Zoya, le nom de l'Éternel sera élevé. En accord avec Esaïe chapitre 2, le verset 1 à la fin. Michée chapitre 4, verset 1 à la fin. Je paraphrase. Il adviendra dans la suite des temps. Que la montagne de Sion de l'Éternel, c'est-à-dire l'Église, s'élèvera au sommet de toutes les montagnes. Mais tout le monde se connaît dans le monde entier. Zamba Kobi, ça va jeune, Zamba Kopé, ça va réponse. Et vérité, respect, et gozon à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tout contact, 09 98 82 0 0 0 4. Donc, tu as dit, ah, quand on est dans le film nigérien. Non, donc, Sosa Libanda, on a dit 00243, c'est le code 9 98 82. On a dit 0 misatu. On a dit 4 dans Souka. Kolo Apambola, tout ce qu'on peut demander, soutenez-nous par vos prières. Il est très indispensable parce que tout ce que nous disons, il y a des ennemis qui sont là pour combattre. Mais la Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Vraiment. L'Éternel est avec nous. Charlie Kanga, zonga vraiment bien avec cette dernière question. Parce que il y a encore d'autres personnes dans sa émission. Seconde chance, seconde touché, et tondi sa bastade de Marty. Akendab. Le pasteur Sony, il est là. Si tu as besoin de l'interroger, sendoué. Oui, l'église armée de l'Éternel. C'est la meilleure façon de vérifier ça, il faut aller à l'église. Le pasteur Roger, vraiment. Parce que nul ne peut faire le jugement par procuration. Mais je vous informe qu'il est toujours là. Il est là-bas, il est allé. Mais Nicolas, à mon imout, c'est le pasteur Cholet. Chaque samedi, à Zawana matin. Au moins, il y a mon ami qui m'a tout dit que ce don, mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi dire un grand merci à l'évangéliste Roger Baka à l'écoute de l'avenir. Un grand merci encore à l'équipe Babazana et Longo.
Je tiens à vous dire que cette émission, c'est Adore à l'eau, adoration, louange, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Moi, tout ce que nous disons dans cette émission, c'est pour éclairer la communauté arabe sur Nabo Yango, s'il vous plaît. Hein, Nazan Angai, moi, la Moussala et Anzam, mené papa à l'obito, Teka Moutou. Donc, ça veut dire que c'est ça, vraiment. Je suis bien avec tout le monde. Je salue déjà, big félicitations à mes frères. Boba Zoyemba, mon Dieu bénisse tout ça. Bon, dans ma bengana, ma numéro dans la séance. Facebook, Diedo Diaso Diaso. Ma question c'est Zawana, un grand merci. Ensemble avec Papa Roger, Debi Sibino, entre nous parcours normal. Bye. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bye. Feu! Mon Bravo TV, Bozan Mystique. Boy, vous avez dit que vous avez secret Bimi. Non, 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 non. En tout cas, vous méritez Venda Oyoka Ndenge, comme on a bino et Zaliwa. Feu! Mobali na botu na ye mwana, tikanga na mwana ya de mwa. Mwana koli ya komi moto. Mama na mwana tata nangatala, tata no bravo. Mama na mwana tata nangatala, tata no bravo. Chalika nga lega kamera mene di monde. Siti na biso ye, Kongo bravo, tebe tele maboko. Bravo, Congo te bête le maboko. Bravo. Feu!